fait le frapper collègue là, un dit tout, il pas même parler de ça. Moi, c'est fond de réponse qui est très dur, qui n'a pas. Mais quand il s'agit des collègues Anel Belize, collègues de lutte, nous, Jean Mouna, moi, étonné que monsieur a douté de personnalité pendant moi-même. Parce que Anel qu'on aime, ben, si je veux, je veux dire, dans le même niveau économique avec elle, je veux opportunité à me faire. Je vais choisir de faire. Vous savez, je veux dire, après 7 ans et demi de lutte, une seule position que je m'estime qu'on est, je veux dire, je vais perdre du crédit, je vais aller en négociation pour d'autres, pour Tintin, etc. Il y a deux monde dans le pays à moi utiliser micro pour détruire le monde, alors que ce n'est pas deux monde correct. Passer ça, moi-même, je fais moi-même retirer. Peut-être que je ne vais pas dire que je vais négocier parce que je bats l'argent pour moi. Je ne vais pas parler pour tout le monde. Mais peut-être que je n'ai pas gagné aucune relation de près ou de loin avec l'équipe qui fait monter là. D'accord. Qui est-ce? C'est notre commenté vive CS. Alors, comme je dis au tout départ que on est un coup de député sinon. Bah, c'est ça. Moi-même, je fais mon ami. Ouais, mon côtoyé. À aucun moment. Je ne vais pas mettre en doute crédibilité parce que son équipe mène vraiment des luttes. Et même l'homme des présidents du Sénat, il était toujours attaché à principaux qui ont des positions. Même ça, seulement pour connaître, il y avait une faiblesse de l'opposition. Et je ne vais pas connaître si c'est la stratégie parce que le bataille, ça, il faut tout mettre ça. C'est par exemple, je dis, nous avons une réunion. Avec tout sénateur opposition, moi, je dis, là, je vais le verre, mais veillez bien. Dès que nous avons sonné, je vais prendre une lettre. Parce que dès que nous avons déplacé, nous avons dit. Parce que nous avons fixé ça à n'importe quelle heure. Même si nous avons fixé le dimanche à minuit, nous là. Et je pensais que l'arrivée dans le match final, ça, on a fort là. Il faut souterrain. Parce que ça vient arriver, il y a deux façons. Au niveau de l'Assemblée, que pour un député ou un sénateur de travail, c'est premièrement faire qu'on est vérité, ou parler pour la population. C'est plus gros force. Nous sommes séance que justement nous avons fait à Mme Duvier bien lui. Nous n'avons pas compris ce là, mais pendant 8 heures de temps, nous avons perdu le vote là, mais nous avons compris. Deuxièmement, nous sommes députés différents, une grosse majorité. Il est arrivé quand même pour nous perdre. Mais par exemple, dans le Sénat, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça du tout. Donc, là, tout n'est obligé, là, et quel que soit joyeux, il faut là, même si on a si bon, voilà. Oh, même là, c'est notre Lambert. On l'a dit, c'est tout. Actif, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ça vient arriver. Oui. Ça vient arriver dans la question, ça. C'est le fondamental. Nous tenons une situation, et je m'en ai écouté que, gagner toute une société qui a posé des problèmes et qui m'a dit. On dialogue profond sur sa capacité pour tout le monde mettre avantage ou mandat sous table pour nous jouer nos solutions pour la société. Et puis, de l'autre côté, il y a le président Jovenel qui a essayé de faire un gouvernement passé. Oui. Sans dialogue, mais avec des mises en place de comités pour que les cas montrés internationaux là, le dialogue. Donc, c'est deux batailles à tenir. D'ailleurs, en février, le président écrit pour le dire. Venir la participation au gouvernement. Nous disons non, et pas ça de guerre. On fait un dialogue, on met tout le sur la table pour nous garder, parce que le problème est au profond. Donc je dis à la question du Premier ministre qui a parlé là, c'est on mis sur pied de deux tendances. Tout le monde qui voulait dialogue, qui voulait que co-député, sénateur, on mette mandat sous la table, président, pour nous garder le problème qui est dans la société. Et puis, un régime qui voulait continuer, j'en dis. C'est ça qui est là. Ce n'est pas une question de Fritz Michel, si le bon monde ou pas bon monde, je son aigle bonnet. Son aigle moins bonnet, moins well. Et moins well, moins dit, moins pas voter. Et moins dit, vous qui ne pas voter. Donc, parce que ce n'est pas une question de la personne. Si c'est pour la personne, son bon élément. Je ne vais pas rien avec elle. Mais, la ligne que nous décidons pour nous faire pour le pays, eh bien, ce n'est pas dans la ligne ça qui est. Dans la ligne, nous disons, attendez, à dialogue là. Il y a même une ligne de conservation de nos régimes, de nos systèmes qui va marcher. Et le régime ça, nous, dans le dernier temps, eh bien, tout ça qui éclate, c'est Petro-Caribé, c'est Dermalogue, c'est déficit budgétaire, c'est incapacité pour résoudre la question de sécurité dans le pays, incapacité pour gérer l'institution, violation, voilà, voilà, voilà ça lié. Donc, c'est peut-être sa présence importante. Je dis à moi, je pense que mon rôle principal
que maintenant tout nous sommes militants, mais mon rôle principal, le fait que moi sénateur, là, et c'est moi pour le représenter, oui. Tout le monde ça yo. Oui. Donc, sommes là, un. Deuxièmement, faut que moi sois très attentif, parce que je vais être là, justement, sous la déjà Garibodo, il y a un coup là-dedans, il y a un coquin. Il y a un coquin. Donc, il faut me surveiller, il faut que je me clairer. Ouais, c'est comme on a dit, je dis. Et puis d'autant plus tout, c'est pas une majorité, c'est minorité. Yo même là ou capable même songer qui nèg dans majorité avec pas lacté là. Ou capable même songer. Mais minorité a depuis on graine pas là, tout le monde obligé wa pas là. Ou qui est de la minorité visible. Oui. Faut que ouais, une minorité visible que nous. Et puis deuxièmement, il y a un bonjour. Je dis à moi pas aucun problème dans le président Katave, c'est cousin. Mais m'ba nan menm ling, président Katave ap vize fon seyans, men mwen m'ba nan sa. Donc m'ap veye atif, et mon final ki pral jwe. Et malheureusement, c'est comme ça. La population décide déjà, mais communauté internationale là, kebel. Donc nous obligez nous-mêmes, ou kebel de façon institutionnelle, pour que le 8, dimanche 2, nous relancer mobilisation encore et qu'on y a les fêtes dans les deux camps. Parce que ça qui est arrivé là, le régime là, il a besoin qu'on souffre. Ce n'est pas le gouvernement que le président a besoin. Parce que le président s'est arrêté pour directeur de police, limité conseil la banque, il a dévancé le corps. Bon, puis ça, alors là, on ne dit pas des gouvernements. Il a débloqué le corps pour l'école, il a débloqué le corps pour l'école. Mais ça n'a pas besoin. Il a besoin de profiter à cause de tout déficit qu'il fait là. Il a besoin de prendre comme FMI. Il a besoin pour l'aide de l'Union européenne. L'Union européenne, support budgétaire. Il a besoin de comme bid déjà dit. Non, mais l'Union européenne, il faut qu'il y ait un budget. Oui, faut c'est pas un gouvernement seulement. Il faut qu'il y ait un budget. Il a besoin de faire premier étape là. Oui. Et puis, il y a un budget. Donc, il a besoin d'utiliser un COP pour qu'il y ait même mis sous comme ça, alors que ça, c'est nommé au pas de règlement. Donc, je dis à la question de gouvernement. Il a besoin des Nations Unies tout pour le cas annoncer. Exactement. C'est là la vie de ça. Sans faciliter pour que le gouvernement regagne un COP pour que le dépense, même j'ai adhéré à ma langue, créer un déficit budgétaire et puis tout l'autre. Parce que si c'est la question fonctionnelle institutionnelle, au contraire, il y a deux gouvernements. Oui, il y a deux gouvernements. Il y en a signé pour le directeur général, l'autre l'a signé pour nous. Pour donc il n'y a aucun problème. Bon, il n'y a plus de dépenses maintenant que d'habitude. Donc, je dis, est-ce que le choix, c'est est-ce qu'on a choisi continuer Jean-Bagay là, il y a là, malgré nous, il y a un déficit budgétaire, comme l'arrivée à 94. Est-ce que nous allons l'autre coup encore hein? Non, non, on dépense. Ou bien est-ce que je dis, on a dit, attention, faut. Problème là l'y poser, nous pas qu'à continuer comme ça, il faut international là, qu'on est que la situation n'est pas normale, je vous le fais là. Et c'est pour ça que le cas de séance là, moi je pense que il y a des gens qui normalement fait choix, rester dans le régime là, peut-être qu'il y a de l'autre monde, yo même yo pensé à court terme que oui, bonne solution, moi ma chérie, on va le tromper yo. Et c'est pour ça que nous même nous dit, bataille là, il n'y a pas même gens dans le Sénat. Et pas nous reconnaître toute capacité de l'opposition. Mais là, c'est la ville de 29, nous moins, les papes même gens, parce que nous croyons que là, nous avons une situation pour nous défendre. Question changement, ça que nous avons parlé. Et changement, ce n'est pas la personne des premiers ministres qui va venir. C'est ça qu'on va symboliser la continuité, on va l'assurer. Et c'est dans ce sens que moi-même, moi, c'est ça. Donc, on choix qui était fait par en majorité, qui met en pile moyen de yo pour que yo t'a persévérer dans le système. Là, d'ailleurs, c'est yo qui a moyen pour yo faire. Mais moi, parce que je dis à chaque sénateur de prendre responsabilité yo, pour ne pas perpétrer la question ça, et me féliciter en pile des sénateurs. Puis, je dis à, eh bien, nous avons dit rejoindre le groupe des secs, alors pas même le groupe des secs, sénateur Salomon est déjà là, oui. Oui, sénateur Lambert, sénateur Fosnay, sénateur Sorel, et puis Jamouna, c'est sénateur Lumier, nous allons dire l'autre. Ouais, donc. Il y a l'autre toujours. Ah oui, qui ont même campé. Ah, la majorité a changé quand. Ah oui, qui ont même campé, et qui, d'ailleurs, moi, sénateur Lambert, tout dit, et sous site là, monsieur, parlez tout bas avec mes votes, oui, ouais, parlez tout l'autre bagarre avec mes votes, là, l'éclair. Oui. Sénateur Fresse-Sédil, sénateur Sorel, que mes côtés, oui, et Zato Salomon et d'autres, bon, mais Zato aime bien parler,
Donc, moi, je crois que. Kedler se dit là, alors non, vidéo. Il y a un ministre. Que, hein? Il y a un ministre. Non, Kedler se dit non, vidéo, que il y a un pile problème, mais l'aile tant des premiers ministres là, il est triste. Il se semble le pas qu'on a qui ça l'a pour entrer là pour ça le temps de la dire. Oui, bon. Parce que le sénateur qui est là représente une couche qui, même le appuyé président, il a gagné des réflexions qu'il a fait. Et moi-même, moi, des hier sur ce site-là, je félicite pour ça. Puisque quand même, il était au niveau côté le papa le défendre, le défendant. Donc, moi, je pense que malgré toute démarche qu'il a fait, nous pouvons arriver dans une situation. Et si la situation coïncide, la relance de la mobilisation demain, à partir de Mirbalet, également séance ça qui va gagner. Et moi, je pense que. Qui l'a fait, ça? Il y a beaucoup fixé. Seulement, je connais le rapport commission après. Il a dit que bon, il a tant nombre avec nous trois sénateurs. Ça qui passe. Ça qui passe. Et dans la commission. Chaque sénateur gagne une capacité pour faire enquête. Oui. Et puis. Nous avons fait une commission, moi je dis que nous pas de problème. Nous-mêmes qui opposition, nous prenons 6 sur 23. Oui, nous prenons 6 sur 23. Quand il y a l'un réfléchi, même si nous vivons, nous ne vivons pas. Donc là, ça nous fait. Ouais. Nous, chaque, nous montons rapport à nous. Oui. Ouais, nous montons rapport à nous. Ah, bon, c'est ça. Et hier, moi, le sénateur de la Rèche, je me dis ça de la Rèche, attention. Moi, je dis que nous rapport près. Il dit que nous rapport beaucoup près. Hier soir, par la veille ou bien? Parce qu'il dit ça dans la presse hier. Alors que, m'entendez, il dit ça. Oui, il dit. Mais, bon, d'ailleurs, bien qu'on ait, que la commission, ça qu'on ait, que, parle de au moins 5 rapports qui va le faire. Parce que, moi-même, comme sénateur, moi, libre pour me faire rapport. Et que, pile bagaille, qui va correct. Ouais, ça, beaucoup attaquer politique là. Au niveau technique, d'ailleurs, qu'on ait, pile bagaille qui va correct. Donc, nous-mêmes, ça nous fait nous réunir, nous décider par vous et Mounio, et puis nous-mêmes, nous avons bien rapport par nous. Et que nous-mêmes, nous avons présenté à l'Assemblée, parce qu'on ne va pas empêcher le sénateur de parler. Ouais. Donc, ah, moi, je vais être macabre. Moi, je vais être macabre. Donc, bon, bon, quittez. Je vais être parler, parce que nous-mêmes, nous allons jouer. Nous allons jouer là, et toutes les dispositions seront prises. Il a dit, il a mis le chapeau de Changoul dans la tête, li, bah, comme un Mexicain, pour lui dire ça. C'est la bien annoncé ça sur ce site. S'il faut intervention, il ne va pas faire la samedi, non? Il faut nous clair avec sous ça. Non, tout dit ça. Stanley qui l'autre boit deux œufs. S'il fait, nous ne pouvons pas gagner voile jeudi et puis samedi encore. C'est nous l'autre. Et Chavan, comment où tu es? Si tout le monde dit ça, il va venir. Et moi, nous, comme nous, dis-nous tout de suite après une bêtise pour lui. Parce que, formellement, il est venu tout. Nous ne pouvons pas comprendre tout dans ce temps de l'école de parler, parler. Non, ça ne l'est pas de prévoir, je dis. Il faut venir, il faut intervention. Comme si tu ne pas parler, tout faire venir ici. Je ne suis pas payé, tu hein? Ça n'est pas un problème, je voulais dire. Prêtez mon casque pour me calmer. Ok, mais ça va dans film, bagaille. Bon. Mais ce n'est pas une émission, il y a une intervention, oui. Il faut que nous disions. Non, pas besoin, vous démontez, ok, de majorité population haïtienne, bon. Bon, conscient que dans le Parlement, ça, il y a des parlementaires qui ont fait un bon travail. Et c'est grâce à eux-mêmes, c'est dans la tortue qui a côté de la permettre les populations qu'on ait en pile bagaille. Mais, et les maps gardent dans la période de PHTK là, et m'a demandé est-ce que Haïti jamais connaît quantité scandale et que pays a connaît. Et heureusement, toujours, il y a certains parlementaires qui font connaître yo, et je vous dis à les réseaux sociaux. Yo. Bon, parce que tout le monde connaît, le parlement, ça, c'est un parlement que le peuple haïtien enregistre, qu'il mettait dans le même panier. Avec pouvoir et son pouvoir qui, je dis, a, est fini pour les haïtiens malgré le continue à faire souffrir. Et dans ce sens, moi-même, j'ai décidé de montrer le midi. Ah, mais c'est ça, me dit, non, je ne vais pas garder ces séances. Ça me perdit dans la vie. Je ne suis pas intéressé parce que je ne suis pas faire sucre, même penser que je ne vais pas faire sucre, c'est mal coupé. Et de, alors que tout le monde déjà connaît 40 jours cuit et
toute information d'a circulé sous l'argent qui baille tout bail ça yo bon et dans dernier temps yo et parlement vraiment perdit prestige li d'a espérer que et bataille politique là pral mener dans un changement total capital pour nous retourner dans parlement qui vraiment représentait les peuples haïtiens. Donc je dis à son parlement reste avec son parlement tout et avec quelques exceptions près et j'aime de dire donc nous pas te suivre nous te connaît c'est ça qui pral passer. Aujourd'hui au niveau population haïtienne nan, notamment dans la paysannerie qui dans le désespoir total écoutez et misé blahi et bon et entendez il a parlé même matin entendez il a parlé de yon moun sous quatre et qui dans situation de pour mal manger mais je dis c'est 80% population pays qui pas capable de manger et je dis c'est rare dans l'histoire que ou bon paysan pas capable aller dans jardin aller chercher un bagage pour manger donc pas gagné dans jardin et pas jamais gagné qui fait tout ça qu'a fait c'est contre masse populaire c'est contre paysan yo et je dis nous considérer chaque ça passe dans chambre député à son bagage qui est révoltant et qui fait peuple haïtien m'a espéré prendre note et qui a monté collé et population on a espéré sénat bon analyse montrer que bon là on est et pas de l'argent pour l'école pas de l'argent pour rien mais pral gen l'argent pour bay sénateur cob pral gen cob et pral gen cob qui a sorti dans l'état qui a sorti dans l'oligarchie qui a soutenu et cadavre politique qu'il a et dans ce sens ça et nous souhaiter que et sénateur qui a fait preuve et montrer sénat nous l'autre niveau que chambre députée a fait ça mais sinon peuple haïtien est déjà prêt pour le faire face carré avec pouvoir ça que peuple n'a pas gagné pour lui encore. Correct, Jean-Esther. Oui, et Jean-Mo, ça qui passe dans la chambre députée, hein, les symptomatiques que la démocratie a envie de casser tête tournée, c'est quand comme tu es capable de dire, et qu'on a une velléité dictatoriale cap jamais. Alors que nous connaissons l'histoire, pas jamais fait machine arrière, l'histoire pas jamais fait bac. On ne peut pas enlever à l'histoire ses conquêtes. Et après 86, nous avons ensemble d'acquis et que l'événement 86 sur nous, il est clair que nous n'avons pas fait bac là-dedans. Et nous là-dedans, c'est le Parlement qui est un haut lieu du débat contradictoire. C'est le lieu, c'est le haut lieu, Jean Montesquieu dit, du contre-pouvoir. Et c'est là tout qui peut permettre que ça ait l'équilibre, que check and balance là. Comment comprendre que dans la Chambre des députés, il y a sans débat, et c'est un coup, et pas de jamais de contradiction, vous comprenez? Sans débat, il y a 76 députés qui votent contre, qui votent pour. Et ce qui est plus grave, c'est que députés contre le pouvoir, ils n'ont pas même quitté assister à la séance. Donc ça qui a passé là, et nous croyons que c'est ça qui fait les prochaines élections devront être, si tu as besoin, des élections de reconstruction. Non, toujours des élections ouais. Quand donc, même. C'est des élections, les prochaines, prochaines élections doivent être des élections de reconstruction, reconstruction, de revitalisation institutionnelle. Il y a des gens qui ne sont pas capables de permettre pour tourner, retourner en le Parlement. Il y a des gens qui ne sont pas doués, réélus. Donc, et si y a une vraie élection. Oui, mais c'est ça que fait, nous dit. Faut que c'est des élections de reconstruction. Là, nous dit faut que les élections de reconstruction, faut que le conseil électoral. Tout à fait. C'est ça fait, nous pas, c'est ça fait, nous pas, faut qu'il y ait une bataille qui fait pour que nous pas gagner un mode conseil électoral mélanger ça. Et 76 députés votés pour, députés qui comptent, et ça que t'as fait là pour un bâton. Et, y'a t'as voulu faire un peu comme si, en d'un salle, si on met tout l'autre, ça va venir dire. Moi-même, moi, quoi que, bon, green, nul n'est au-dessus de la loi. Bon, nèg, qui bon, on t'y terrain, en face,
palais royal et à Berlin en Allemagne. Il dit monsieur pas besoin d'être là. Monsieur dit pas un problème sauf que ça me connaît c'est que il y a un juge à Berlin. Donc au moins faut nous un juge Port-au-Prince. Qui faut un juge Port-au-Prince qui parce que écoute la justice est une nation. Hein? Pas de monde qui... Il y a deux principes fondamentaux dans le droit. C'est le premier principe, c'est le principe de ça qui dit nul n'est au-dessus de la loi. Et le principe qui dit personne ne peut pas ignorer la loi. Donc, pas de monde, pas de colère. Humilité, l'on est une humilité. Ce n'est pas une licence ou gain. Ça veut dire à quoi c'est là. Donc, nous, définitivement, l'on est dans sa licence là ou non jeune. C'est la loi du plus fort. Donc, c'est le roi lion. Le roi lion doit battre tout le monde. Bon, tout le monde. Donc, ça veut dire qu'on est petit physique qui parle dans le Parlement là. Donc, c'est maintenant tout, les potes, on est gazam. Donc, moi-même, je crois que la justice est finale. Je te dis ça dernièrement. Moi, j'ai insisté sur ça dans l'intersection. Faut minorité a pour te plaindre contre tout nègre qui pensait que qui t'a gazam, qui a gros poignet, qui bat Fekir, qui bat les députés exactus. Faut nous porter plainte. Donc, plein ça, les pas bon juge, les titi papa, comment? Donc, les ça, à bon juge. Donc, Port-au-Prince aura un juge comme celui de Berlin qui pour et avancer dans ce sens-là. Et l'autre bas, m'a dit, c'est que nous prenons un triangle et qui est aussi dangereux que le triangle de Bermin. Donc, on triangle de Bermin, là, jusqu'à présent, on dit avion pas capable de traverser. Donc, son défi pour la science. Je dis à nous notre triangle qui relie tout d'abord corruption, qui marche avec violence et impunité. Donc c'est trois partis politiques qui ont dominé cette scène. Et l'hypothèse, toutes conséquences pour nous, prolifération des gangs. Avant 2004 ou bien après 2004, nous avons peut-être deux à trois zones de non-douane dans le pays. Dans toutes zones. Je dis à nous plus que, suivant ça, on dit plus que 180 foyers de négazam. Jodi gros militant Chavan jodi là tout à l'heure, mais écoute, même paysan jodi a pas cap travail la terre encore parce que même la zone reculée, la paysannerie gang, regardez ce qui a passé la Tibonie. Donc ça veut dire que triangle ça qui relie corruption, le triangle de corruption, il partage territoire là, il partage ressources pays là, et même gens gang yo même partage territoire. Donc, nous tendons clair que tel sénateur est APN, Hervé Foucan est APN, tel nègre Zéligui est Mazout, tel nègre. Donc, en fait, gagner on même mise que corruption fait sous pays, hein, et l'image avec une machine violence, nous capables de ça, qui va les monde qui mourent. Je dis à Port-au-Prince, là, on est dans Port-au-Prince, on est en prison. Ou pas capable d'aller dans le sud. Ou pas capable d'aller dans l'acte, ou pas capable d'aller dans le nord. Donc, ou on green bag accompagné, c'est que, ou on capital qui tourne en décharge à ciel ouvert. À deux jours des ouvertures des classes, même Fatra n'est pas massant dans le pays. Je te dis, chaque cas, ou son on pile Fatra. Je dis à Port-au-Prince, son décharge même, à ciel ouvert, Fatra. Donc, même le minimum, pendant que, moun qui n'a au sommet l'État, a ramassé privilège, il a fait toute stratégie pour qu'il y ait pouvoir, même le minimum il va faire. Donc, c'est donc où on l'État qui n'a pas existé, c'est seulement privilège au monde à payer. Donc, nous souhaitons que, c'est vrai que Chambre députée, nous connaissons l'arrivée de cette deuxième session année législative là, donc ça finalement. Mais finalement, quoi que, je ne vais jamais mettre en doute. Et conviction, vous pouvez lire en plus de 7 ans. C'est ça que fait moi-même, c'est bon, le bénéfice du doute. Et pas le doute sceptique, mais le doute cartésien. Je crois que le combat n'est pas terminé. Et je crois que député qui agressé, député qui victime de Bouyo, faudrait-il qu'il y ait une plainte en bonne et due forme qui vote pour eux. Donc c'est pas seulement même qui dans l'émission, on va permettre que. Oui, autant. Oui. Bon, m'après saluer tous tes amis, auditeurs, auditrices, Captain Denzo Adjoa. C'est le bagage, il m'a dit, qui j'en fais un exil de Gandhi, vous voyez, ou débuter, on est beaucoup.
Fuck Pio avec moi, vous faites en fait. Non, je ne peux pas comprendre ça. Moi, mon avocat, vous n'êtes pas besoin d'un avocat. Avocat. Je vais aller à la caille, je vais aller à la caille. Non, mais c'est vrai, mais c'est des vitoyers et c'est des grands déjeuners qui sont mouillés. Au moins. Bon, monsieur, je suis débité, c'est la première fois que je suis dans l'histoire. Bon, depuis 2000, ce bagage a commencé. Avec Prival, qui est débité, a fait gros caille. Moi, je suis un député, je suis 30 000 gouttes, je prends 9 000 gouttes de taxes, madame, je prends 21 000 gouttes, madame, je vais quitter. Parce qu'il ne pas occuper madame, parce que la caille qui me dérite avant de débiter, c'est 825 dollars américains. Je ne vais pas payer, je ne vais moitié 800 dollars. Madame finit comme débité, je vais 284 dollars sous compte. Parce que je m'a fait enterrement, je m'a fait baptême, je m'a fait mariage, ouvert l'école, c'est moi-même. Je ne vais pas encore. C'est retourner, je retourne au travail encore et puis je fais business. Parce que moi, c'est le bagage. Ou pas qu'à gagner comme soit gagner business. Et ça va me féliciter quelques parlementaires amis qui ont un cop, qui critiquent eux. Ils sont pour bagaille. Nèg la côté comme faire business, il va y travailler. C'est pas après le prendre faire gros caille pour 20 000. Des boulots en business, moi, je me félicite parce que je vais travailler. Quand j'ai mis mon député en 2010 qui était candidat, pas même qu'à payer, et mandaté. Je vais payer aux zones celles du sud. Je non, non. Parce qu'il faut que je quand même. J'allais mal vie, mais liens, il descend. J'allais pas l'air. Maintenant, il m'a mis un petit sac plein à doquer. Et puis, ouais, sac l'a pété. Il m'a tué après, j'ai appris à doquer à terre. Moi, dès que ça gagne. Ça paraît. Et la zone tabac. Moi, dès que ça gagne. Mon appartement, l'autre, ça n'est pas un bagage esprit. Bah, sérieux. Si bagage aux États-Unis, vous avez bagage ça, au moins, vous avez 1 million, 300 millions. 300 000 dollars pour ta concaille comme ça. Moi, j'ai un hôtel qui l'a fait. Pas d'un caradi. L'on a monté dans la zone vie et vie Michel. Zami m'a dit bagaille ça va être là. Ça moi qui a débarqué. Fait. Maintenant, c'est pas compté net débarqué. Moi, dit monsieur. Faut dire qu'il y a l'éternel est grand. Son si la tête venue tout le temps. L'éternel est grand. Moi, dit son avec mon bagaille ça va être l'éternel est grand. Maintenant. Mais son gros causé maintenant. Regardez. Regardez Sinal. Sinal, quand l'autre dit bagaille, collègue Yuri dit, Yuri, où est-ce que tu as un secret? Parce que c'est un métier d'investigation. Nous avons un bagage en investigation, parce qu'on fait ça déjà. Ça, c'est important, c'est secret. Chaque fois, vous avez un sou, vous avez payé un bon dossier. Parce que y a des bagailles, il faut qu'un bel. Il l'a fini net, et bien, nous plaisons l'autre dossier encore, qui est là encore. Et il y a un bagage qu'on va dire. Il y a un bagage qu'on va dire. En tant que sénateur de la République, en tant que professionnel, moi-même, tu es là pour des comptes, tu es débité, tu es businessman, tu es un bon bagage qui ne peut pas parler. Et tu n'as pas droit en tant que professionnel. Mais tu as investigation là, tu as quoi? Moi, je connais des dossiers que je connais dans le pays. La recherche pas ce qui me fait, je ne connais pas dire. Parce que depuis que je dis seulement, je ne connais pas la vie. Oui. Parce que pays ça c'est plus gros pays. De vous mourir. De vous mourir. Même Chavan, non, elle a parlé politique. Il n'y a pas Chavan, il y a l'État tout. Il n'y a pas de Chavan, nous connaissons la zone 91, 92. Comme si nous avons la radio pour nous dire. C'est un d'État. Il n'y a pas même d'État. Il n'y a pas de nous connaître, il n'y a pas de nous connaître. En d'un pays ça. Ou pas de nous connaître. C'est Bouchepé. Il m'a souhaité, dans l'élection qu'elle fait là, qui sont quatre électoraux, les affaires, peuple n'a pas qu'à voter. Ils ont limité le peuple pour ne pas voter. Pour qu'on ait un minimum qui vote, à travers un minimum, pour qu'on ait voler l'élection. Nous avons souhaité le conseil électoral qui va le monter. Ce n'est pas nous,
qui chaque fois le dit Jacques Mélène Calambé. Oh, je ne sais pas, disait malédiction, hein, soit comme un homme qui fait la malédiction. Ça se dit malédiction, pas l'homme repos. Il mange. La caille est mieux. Mm-hmm. Il fait tout calme des bagailles. Mon nègre, le CEP, le balde, c'est un candidat. Ou un nègre, son danger pour la société. Pour nous donner bel ange qui l'a d'arriver pour encore. Ouais. Faut que nous conseil électoral. Vous voulez ange. Tout le monde participe à la donne pour faire bio, description et de vote. Quatre ça nous gagnons une carte d'identification nationale, mais faut que carte électorale la fête. Trois mois avant l'élection. Parce que aux États-Unis, il n'y a pas de carte d'identification à l'élection. C'est chaque un an, parce que nous avons une zone, nous sommes dans l'autre zone. Il faut faire bureau de description et de vote. Il y aurait une nouvelle carte électorale. Vous pouvez vous automatiquement. Sur la caille ou directement. Ou pas qu'elle vienne pour venir aux quatre. Et pas tout nous capable de faire quatre. Parce que ça, moi, là. Moi-même qui conduis. Moi-même qui ai une capacité. Mal fait bagage ça. On peut presque faire 20 minutes pour me faire. Et l'on finit. L'on peut tout ne faut que vous preniez un prêt encore pour regarder le bagage pour capable valider. Avec dit qu'il y a un seul 4 là pour même seulement, il va miner dedans. Entre Vini et Tounet. Et si pas de signal, il n'y a pas fait. Attendez qu'il y a peut-être formé long. Formé long seul. Vous pensez la première 4 ça? C'est un cochon gras. Cochon gras. Vous pas même de signal. Même là, fond. Qui l'a trouvé la ville là? Qui 6 km par rapport avec Gilles Jacques Bel? Pas gagné. Par exemple, on monte Saint-Michel de la Tana, ils ont ça, ils ont ça à mettre là. Malgré l'ongame, l'autre bon ça à mettre là. Mais, non, mon doual, l'ongame, même si j'ai information, mettre la mobile, vérifier, bah ouais, parce que mon tonton tout, qui c'est mon bandouli avec Gounia, mon habitué à l'ouen. Mais oui, oui. Vous savez, c'est des zones, des zones dans le pays où vous avez 4 sacs à pas faire. Pas de signal, vous n'avez pas le bon exprimé, non, seul. Bonjour, Rabat. Sous 7 millions 4 qui pouvaient, et qui fait 300 000. Mais vous payez compagnie 25 millions de dollars sur 27 millions pour les balayer. Vous comprenez? Oui, mais depuis tant de temps, vous faites ça. Combien de temps vous faites 4 pour faire l'élection d'octobre là? Il y a 14 ans pour faire 7 millions de ça nous tenir. Qu'on y a là. Mais ça ne dégage pas bon tout, non? Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a gagné. Parce qu'il y a un bon monde qui est déplacé. Nous n'avons pas là depuis 10 ans. C'est même lui-même qui revient dans le système là. Si 490 personnes qui ont fait dans la zone là, automatiquement vous déplacez vous dans l'autre zone, vous ne pouvez pas même connaître. C'est jouer l'élection, qu'on y a l'arrivée qu'on n'a pas gagné côté pour aller voter. Par exemple, 90% de monde dans la ville de Jacmel a voté la montagne, il a voté la route maintenant. Mais il faut qu'on s'attaque à des machines ou des motocycles. Il faut qu'on s'attaque à mon pile. Qu'on a ces candidats et des machines à la disposition pour aller voter, le ballon, il y a le machine. Il y a le ballon qui est là, il dit mais on va le voter parce qu'il y a le machine. Il faut que vous ayez besoin de mise à jour. Et vous êtes ça, système là, il faut que le système arrive net. Rebat 4 là, fait bio description de vote pour 90. Dans moins de 6 mois, conseil électoral monté en avril, arrivé en décembre, l'élection est en fait. Parce que tu fais bureau de description et de vote, mon nom est côté de faire 4 électoral, il a la voté, ou pour 4 électoral à la caille, mon nom. Et c'est ça qui vous fait avec l'autre conseil électoral et pas équipe ça, non? Parce que mon saïo, il vient continuer à faire travail pour y aller faire, pour limiter la quantité de mon voté pour que papa pète mon ouvre comme président. Même dans ça qui fait en 2010, par exemple, vous comptez dire ça, le résultat de gagner maintenant, c'est pas lui-même qui est oublié. Et Ahmed, Fréco, bon, merci effectivement. Ou a aussi dit presque tout ça me devait dire là. Donc, au signal, Mabdou, félicitations. Nous parlons même quand, parce que moi, je suis même tout en train d'eau. Je vous félicite tout. Non, c'est comme ça, je parle, donc, Balavalas, même tout en train d'eau. Je m'apprécie ça, donc, je suis aussi pour tout, que des fois, même là où il y a des difficultés. Et moi, je respecte en pile l'institution, ça allait au Parlement, avec tout ce que je pour le Sénatec là, avec tout le même. Même pas à moi, je ne vais pas parler de mon tête. Je ne vais pas autoriser, je ne bouge pas pour me dire que le monde est honorable. Parce qu'il n'y a pas même vote déshonorable. Attention, parce qu'au Canada, à cause d'Haïti, il y a eu les mounions très honorables. Donc, par rapport avec le vidéo haïtien. Il y avait tout le monde. Madame, même le déshonorable, parce qu'ils font trop de mal au pays. Et moi, je suis adapté à un Sénat à l'époque. Et pas pour mettre un sénateur pour des raisons pas. Mais chaque fois que je fais un rapport, même pas à mettre honorable là-dedans, il y a même pour qui ça me va le mettre honorable. Le sénateur, si je me dis qu'ils ne sont pas fâchés, puis tu me vas donner. Donc, si je m'en dis, mon destin est là, le cas de ou non. Bon, démissionner, laisse ça. Démissionner, laisse ça. Attendez, non. Mon destin est là, c'est ça que j'aime pas arrêter. Mon destin est là. Il y a même pour une forme de dire, mon destin n'est pas carrément honorable. Pour qui ça? Parce que
Je regarde les caoutchoucs machines qui finissent, les caoutchoucs pour la carrière, les vieux moussons bois pour les caoutchoucs. Je ne sais pas si vous avez un petit peu de temps. Et mais c'est même que si pays a ça c'est pas ma distinct. Non, c'est pas ma distinct. C'est très important. Ni capable dit. Oui oui oui, c'est un témoin. Mon destin a dit tout si ma belle menti. OK, avance, on va avancer. On va avancer. C'est de même que pour nous qui on sait n'a qu'à fonctionner. En dépit de toutes les poches ou qu'a dit que tu mets des quelques sénateurs qui formés qui respectent tout. Même pas qu'il y a deux questions tous les deux prénoms vieux bagaille. Comment ça peut en pas dit. Comment on fait sénateur toujours? Dans qui pays au monde pour nous dire arrêter là-dedans toujours? Et puis lui-même, tout l'étudier droit, bon, par contre, si c'est si vraiment si avocat, même si nous étudier droit, nous fait droit, nous sommes avocat, par contre, c'est qu'on a fait tout. Mais un homme qui est entré dans toute base, par respect pour tête ou pour membre de la base. Bon, madame, il est madame Cassius, tout. Faut nous pas occulter que soit madame Cassius. Non, 31e sénateur. Ou à Madagascar. Et c'est pas aujourd'hui, non? Regardez, ça peut être 7 ans dans l'intersection de dénoncer madame Zanfoua. On a oublié ça. Avec ou Jean-Mouna. Ok, attendez bien. Madagascar. Même le plus qui a devant juge là, juge là, il va tourner la carrière. Il n'y a pas de voter Madagascar, son job est mal. C'est le monde qui est là qui fait la fête ça. Mais on ne dit pas respect pour la société, on ne dit pas grand-chose pour la vie. Bien que je me j'ai fait un bon bruit comme c'est bien me fait. Donc, par raison, pour continuer. Maintenant, continuer à attendre et sénateur, il ne parle pas de défendre tête. Par respect pour tête, il faut le tabac démission. Et si il va faire la démission, il dit bon, au moins, mettez-moi au service de la justice. Je ne comprends pas que Garcia Delva ne puisse pas donner, parce que tout le monde n'est pas préparé, c'est mettre là. Et le sénateur, pendant là, tout le monde tirer proche, ou tu connais, je ne suis pas de bon, pas de tout, tout. Parce que, ouais, il y a des gens qui préparent. Donc, gros département comme ça, qui charge en tout. Déjà débuté. On connaît, mais c'est au fait. Est-ce que c'est pas tout le monde qui a fait ça? Si président d'Haïti a cité un chef d'État, il ne voulait pas les mensonges aller déjà. Non, ou même les gens qui disent honorable, ils disent non, c'est pas honorable, nous sommes gangs, c'est nous, nous chacun groupe gang par nous. À cette phase, société a supposé auditionner, nous disons comment se fait-il, nous allons payer que des gangs. C'est pas Jim dire ça que tu as fait. Non, non, dit président, on doit voir. Attends-moi, si effectivement, président est en ligne droite, il t'a pris ça seulement pour auditionner nous parce que la loi balle. Il y a rien de droit. Ah non, non, pas de ça. C'est par le manque qui a impeach le président. On est là, monsieur, t'as bien. Si ce pays n'a fait vraiment, franchement, si ce pays n'a fait, nous sommes gardés au merveille qui fait là l'autre jour, monsieur Garibodo, quand président séance, côté première fois dans l'histoire, nous là, pas de première fois dans l'histoire, première fois au moins nous avons une chance ou elle tout, côté on met un président en accusation. La loi baille parlement doit ça au niveau de la Chambre des communes, ou quand mettez le président en accusation pour qu'il soit intérieur et j'ai un recours de justice pour le juger. N'a pas gardé dans la séance, car il ne pas jamais quitter mon égo parler. Tout le monde qui a parlé, libère le motion, ou même machine n'est pas la motion, machine n'est pas un bon égard comme si pas qu'à dire un pour capable de troubler tout le monde qui t'a capable. Non, belle bagarre comme ça, il a formé des commissions, choisis le monde qui a parlé, parce que vous connaissez des députés en bas, c'est Chita et Kachita,
Il n'y a pas de toucher. Mais il y a tout qui est capable de parler, capable de faire, qui est aura, capable de venir avec des bagages qui sont capables d'attendre pour apprécier. Il y a un capable de bon débat, peut-être que les gens peuvent apprendre dans sa vie. Je ne sais pas, mais il y a aucun monde parler là pour rire, puis comme si on a dit, oui, c'est la notif, la prochaine petite cabine, il a pris, parce qu'il y a une tête, il y a pour rire dans. Vous sentez, monsieur, non seulement pas à la hauteur, mais il ne respecte pas la tête, tout en tant que tel. Et puis il y a des d'accord, il y a fait bouquin, d'ailleurs, sous condition de savant, désolé. Et puis, effectivement, yo bla 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 bla, et puis yo dit que ok, tout d'abord fini voté. Mais constitution dit que comme les députés qui mettent un monde dans l'accusation, le président dans l'accusation, monsieur confond constitution avec le règlement interne et chambre des députés. C'est pas différent. Le règlement interne et chambre des députés n'est pas capable de brûler sous constitution. Parce que la constitution prévoit 80 députés, y compris le président fait 81. Donc tout cas pas de monde dans la bagarre qu'a fait. Ou vin dit oui, le règlement interne. Comment capable de dire moi? Ou passer août la constitution. Mais il n'y a pas dit contre avec la constitution dans ça. Ou pas dit. Midi, quorum dans la séance ordinaire là, c'est 60 plus 1. Yeah. Mais midi, dans l'autre cas. Yeah, c'est 80 députés. C'est 80 députés. Ou pas dit. Ou pas dit 80 députés pour dire ou pas intervenu pour être au cinéma. Et puis, finalement, ou font bah, bruit vide, sans décorum, bagay led net, et puis sortant de là, ou prévoit que, mais forme de tout, bah, qu'on est en bas, un avocat, il est capable d'attaquer la décision, il est capable d'attaquer, bah, qu'on est si on fait ça, il est capable d'attaquer la décision, parce que puisque le pas bon, en fait, il est pas de la supérieure. Non, tu l'as supérieure quand il a cassé l'IA. Bah, pas de. C'est attaqué le Conseil constitutionnel. Il n'a pas existé. Il fait neuf. Si et seulement si on l'a législature, lui-même qui est là. Non, même minute, on est là. Bon, il y a 56 000 qui sont dedans. Oui. Qu'on y est là, nous dit bon, il fait le barbe. Et puis, il vient de faire comprendre, oui, qu'on y a là, pas de problème. Et tout ministre, M. Batala, il faut que c'est votre coup de justice qui vous gîte. Eh bien, vrai, c'est pas ça que je dis. Votre président, c'est pour nous déshabiller, pour nous tirer dans le pouvoir. Par exemple, toi, tu es un ministre ou un président. Si toutefois tu es en fonction, votre coup de justice après, juste retirer dans la fonction pour vous devant le tribunal des droits communs. C'est pas après ça, Abdio. C'est pas ministre, c'est juste. Je ne suis pas premier ministre, je suis citoyen, comme tout citoyen. Oui, pas capable. C'est tout tellement tirable, nous, c'est pas vrai. C'est pas ça la loi dit. Je voulais ajouter quelque chose. L'opposition, normalement, est parlementaire. L'opposition classique, proprement dit, est parlementaire. Moi-même, je n'ai pas voté et Jovenel Moïse. J'ai soutenu le candidat Jude Célestin. Et bon, de toute façon, nous comprenons comment l'élection est passée. Et quand on est qui est président de Jovenel Moïse, on doit pouvoir respecter son mandat. Mais, bon mécanisme que le législateur a abandonné la Constitution de 1987 là, pour les bagailles au pape marché, qui est le Parlement. C'est Parlement qui la véritable opposition. D'ailleurs, quand il est Maurice Jean-Charles, quand il est André Michel, au cap dans la rue, mais la vraie opposition, elle est parlementaire. Et bien dans l'histoire. Et pas devrait être, c'est ça. C'est réel dans l'histoire. Toute l'histoire nationale. Par exemple, la vraie opposition, par exemple, sous Boyer, c'était les députés de la 13e législature. David Saint-Pouille, etc. Donc, dans tout régime démocratique, c'est pas la rue qui doit résoudre le problème. C'est ça que fait. La rue, les délégués pouvoir à un ensemble de représentants que les députés et sénateurs. Donc, ces députés et sénateurs qui doivent ramasser ensemble de revendications et qui ont même pour faire ce que de droit. Par exemple, je pense que une des plus gros outils, et malheureusement, c'est la 50e législature qui utilise les outils. Ça, et ils ont fait avec un désinvolture tel, comme si c'est ça que la route de justice, ça la mise en accusation. Mmh. Une séance de mise en accusation, ça a été une séance de envergure extraordinaire. Qui, un débat. Non seulement, oui, argumentaire solide, qui préparé, on va toujours faire des problèmes. On va faire recherche. Donc, laisse ça, problème qui n'a la rien. On va mener dans le Parlement. Je vous dis, c'est ça que je vous dis, je vais dans la radio. Moi-même, je vais à la manifestation, parce que je suis député. L'été que je vais à l'opposition, je suis député comme député. Je fais 4 députés, je suis toujours dans l'opposition. Et pas parce que c'est l'opposition, je voulais, non. Mais comme je suis mal marché, moi-même, je suis toujours dans l'opposition. Jeudi, demain lundi, c'est dernière
séance côté de la session. C'est pas la fin du Parlement, non? Non. Mais c'est quand même la fin de cette législature. De la 50e législature. Ça. Un bagage bien précis. Oui. Non, c'est pas grave comme ça. La ça, c'est fini. Et Acropolis a dit. Non, parce que nous n'avons pas vraiment une opposition à quoi dans le Parlement. Donc, c'est ça qui explique le président Smith, et c'est ça qui explique moi, j'ai été à Papay, et dans Coquen Chen, et rassemblement ça, que qui était sous l'opal. Parce que l'obédience, nous pas le leadership n'est pas un leadership. Il faut éviter le leadership individuel. Donc, il faut qu'on soit un leadership collectif autour de avec Papay. Donc, il m'a permis de. Continuer. Oui, effectivement. Bon, merci pour l'ouverture là. Bon, c'est nous devons vraiment montrer que qui est vraiment Parlement. C'est le Parlement vraiment détruire tout ça d'agir comme vérité. Par exemple, m'a suivi la tortue en pile. Qui fait un pile d'efforts pour être capable en fait, démanteler Santa et du vagabondage au niveau du pouvoir, au niveau de l'administration publique. Donc, je ne pas dire que nous sommes d'accord avec la 100%, mais entre temps, on presse à faire des analyses avec eux, nous faisons des analyses critiques et des approches techniques, parce que dans l'école, nous sommes formés pour ça. Ça, bon, c'est pour nous dire bon, si nous n'avons pas bon, nous sommes capables de dire pas bon. Opposition à Gomba, à la carrière, nous, tout la carrière, nous faisons critiquer tout. Nous ne parlons pas chita pour une opposition vraiment comme les jeunes se disent là, nous groupes d'opposition. Moi-même, je me caractère, ou même là, tout. Chaque monde blessé lui-même. Mais côté nous aller. C'est pour nous chita pour une opposition. Côté que dans l'opposition, ça nous dit bon, si nous essayons, je me sens que nous allons aller, on pousse. Parce que je me rappelle, je candidat. Exemple, vous n'avez pas innocent. Non, il n'est pas innocent. Bon exemple. Je pas candidat moi-même à la présidence. Nous chita avec Baro, mais ça me demande. Je me dis, monsieur, écoutez bien, il est temps que nous avons un homme de loi qui est à la tête de la première magistrature de l'État. Parce que nous avons fait un bon gagot, c'est pas qu'on bagaille, on fait barre tête en bas. Moi-même, je ne vais pas mettre un candidat qui est sur table là. Si effectivement, mon n'a choisi, je sens que son monde qui prépare un cas représenté, nous ne pouvons pas tirer. Je vais répéter mon de Weo, je vais avoir le premier mon de Weo, me dit, Ali, non, comment s'appelle le député de Pétionville. C'est Limbal Weo, je ne suis pas candidat à la présidence, c'est une tradition comme ça. J'ai parlé à mon ami Madistem, je dis ça. Je me déplace même à côté de bateau, je me dis, Ali, non, bah, on va pas gagner politique, mais je dis, Ali, dans CEP, je ne sais pas comment ça s'est. Donc, en fait, je n'ai pas voulu ça. Nous cachons ensemble pour nous dire si les chavans nous avons, si les fleurs coupées, si la tortue nous dit nous allons voir le monde, mais nous avons un lien ensemble, un pacte, nous avons signé que nous allons respecter. Nous disons, nous avons choisi, nous mettons notre opposition. Ce n'est pas chaque monde, on fait manger ça à gauche, moi je fais la droite, on fait le mi-temps, nous ne pouvons pas inviter l'autre là, nous ne pouvons pas réussir. Laisse ça, nous venons bailler. Il n'y a qu'en face de nous une force qui permet la vie toujours. Si vraiment nous t'avons initié, non, mais attendez, ça, on va d'accord avec nous là. Demain dimanche là, et ça qui va se passer là, il n'est pas habillé, il n'est pas nécessaire que l'unité a aujourd'hui le premier coup. Oui, oui. Je pense qu'il y a pile de marches, des marches de papa et là sont des marches extrêmement intéressantes. Ça a fait demain. Et moi, je pense que nous sommes beaucoup plus près que Biloy. Parce que divergence sur tellement qu'on situe à partir de différents éléments qui sont en opposition que ce n'est pas facile pour arriver là. Mais moi, je pense qu'il y a pile de marches l'unité a fait. Et demain, ça va un gros signe de démarche ça. Qui doit la faire demain? Sénateur. Dans le discours dominant que le pouvoir fait, sous stratégie, vous m'avez piégé nous tous. C'est qu'un coup, 14 millions haïtiens mettent mourir parce que l'opposition n'a pas entendu. Je ne suis pas d'accord. Non, c'est pas ça. Attends, qui me dit ça en disant? Écoute, l'opposition peut être plurielle. Il y a une démarche unitaire, mais l'opposition peut être plurielle. On va comprendre. Non, attends. Non, vous m'avez un coup. D'accord, ou d'abord, c'est ne pas apprendre ça. Il y a c'est diaboliser l'opposition. Dans le sens que, ah, vous n'avez pas entendu. Alors, écoute, mais vous n'avez pas entendu tout. Vous n'avez pas volé, vous n'avez pas casé le pays, vous n'avez pas entendu. Mais vous ne pouvez pas entendre. Vous n'avez pas entendu. Par exemple, pour deux autres, vous n'avez pas fait d'assez, même vous n'avez pas fait d'assez. Carrément, mon cher. Donc, ça veut dire que, vous n'avez pas fait d'assez. Voilà, faut nous faire. Vous n'avez pas fait d'assez.
de yon bref yon toujours et même yon bref. Alors, m'a salué au passage, et docteur Jean-Edol Bito, matin avant une émission de débat ensemble avec lui, nous avons discuté même sous question ça. Donc, ça veut dire qu'on discute pré-opposition à la. Les hommes. Non, et pas non. Mais c'est même opposition qui a été là-dedans. Yon mène là-dedans pendant deux heures qu'un mot là-dedans. C'est l'opposition même qui a été là-dedans. Dans l'opinion, publique, c'est pas que la population met mourir parce que André Michel a été. Non. Attends. Le fait que André Michel pas entendre ou bien avec le Non. Et c'est docteur seulement parce qu'il me dit la donne. Nous avons l'impression qu'il n'y a pas de vignes de nous. On a l'université. C'est même ça, nous avons 5 qui sont en vignes de nous là. Qui sont en force, qui sont en qui viennent là. Nous avons vignes. Gandhi, et pas mon salaire, mon cagé, nous connaissons pas bon. C'est pour nous travailler, pour nous permettre de nous connaître. Mon salaire, c'est pour nous. Depuis que tu as passé, c'est éliminé. Nous avons un bon ministre, nous avons un bon cordonnier, nous avons un bon taille. Pour qui ça nous pas un bon parlementaire? Nous pas un bon président? Pour qui ça c'est un bon gagner? Alors, je pense que nous allons faire un bon débat là, grand pis bah, nous allons dire. Donc, nous allons faire un bon débat. D'accord, Charles. Bon, j'aimerais vraiment nous recommander de pouvoir saluer. Bon diable, Charles, nous allons faire un pouvoir. Sénateur, nous allons faire un bon débat pour vous. Seul contre tous. Alors, femme, dis-nous, mais je suis bien content de vous taper tout à l'heure. Mais Jean-Mona, moi-même, m'a fait une intervention qui allait au-delà des différentes interventions que nous avons faites sous CS. La première chose, il faut que nous ne prenions pas CS qui fait là de façon isolée. CS là rentré dans un cadre chronologique planifié. Côté que. C'est moi qui ai parlé, notre frère. Non, juste avant son mari. Non. J'ai mes argumentations. Je pense que CS là rentré dans mon package. Parce que déjà environ 6 mois depuis que le premier ministre a essayé pas dans tête plus mature. Nous avons un premier ministre qui nomme, qui c'est Jean-Michel Lapin, malheureusement, nous ouais et nous tous songer en deux reprises qui sa premier ministre Lapin vive dans le Sénat. Et le Sénat a été malheureusement vandalisé par des sénateurs de la République. Et libre à arriver que je ne dis pas, nous avons une ouverture des classes, un ensemble de dispositions pour faire, un budget qui vous votez, des problèmes socio-économiques qui se posent à attaquer. Le président de la République, dans l'obligation pour que je dis à libérer un gouvernement. Et c'est dans le contexte ça, que nous avons choisi le premier ministre William Michel, un jeune garçon de 38 ans, qui lui-même, jour planifié pour CSN fête là, malheureusement, ou joindre des députés.
qui répliquait ce qui a été fait au Sénat de la République. Et là, tout à l'heure, en même temps, des sénateurs qui étaient venus sous question en premier, nous étions très contents. Ce sénateur de la République, il a eu la tortue. Il a souligné le bail qui est extrêmement important, qui c'est la fonction tribunicienne de parlementaire. Alors que, ni dans le Sénat, il me semble que le sénateur était là, le acte de vandalisme a posé, et c'est lui-même qui devant, député a répliqué, puis bas. Le député a répliqué, AXA, qui s'est saboté salle de séance pour que, malheureusement, présentation de politique générale pour le ministre, lui-même n'est pas faite en bonne et due forme. Est-ce que vous faites dans les règles de là? Parce que je pense que si nous faisons une analyse et nous faisons de façon objective, il faut nous avoir suffisamment de capacité, autant que nous n'avons pas culé l'autre camp, mais pour nous apprécier tout et garder tout bon côté par nous, quelles ont été les erreurs commises. Nous n'avons pas fait ça. Donc, même moi, quoi que c'est ce qui était organisé, c'est dommage que le pas fait selon les principes, selon les normes, selon les règles de là. Et là, en quelque sorte, nous avons peut-être pris et répété Nietzsche qui dit que celui qui combat le monstre doit prendre garde à ne pas devenir monstre lui-même. Si tu regardes trop longtemps dans l'abîme, l'abîme, tu n'iras pas regarder en toi. Donc cela veut dire que, ou pas qu'à non démarche politique, ou à pas culer en l'autre camp, pour des bagailles que l'a fait, qu'on estime qui part de bon droit, alors que vous-même, vous utilisez les mêmes méthodes et des fois de façon plus grave. Donc même parce que m'espérer qu'au niveau du Sénat de la République, nous avons des interventions de trois sénateurs, mais dans le contexte pays et la journée aujourd'hui, nous avons urgence, nous avons obligation, nous avons nécessité que nous avons un gouvernement légitime qui pourra aborder les grands problèmes. Et pour une fois, sénateur Yula Tortue, pendant que là, m'espérer effectivement, quelle que soit l'issue de cette séance, libéral effectivement une séance qui fait selon les normes, c'est-à-dire un débat contradictoire. Et que pas de monde qui a préféré avant pour aller vandaliser salle de séance là, qui c'est l'argent de l'État haïtien, alors que y a peur toute tentative réelle de débat sérieux. Parce que dans le niveau pays et l'argent mouna, avant de commencer l'émission, nous avons analysé la réalité socio-économique est extrêmement grave. Nous avons une situation extrêmement difficile, l'école va l'ouverte. Et choix économique, et choix économique. Et vous aurez le temps de parler et de tout. Oui, nous ça. Non. L'école va l'ouverte, Dieu seul sait. Je dis à dans quelle situation par an. Au lieu près de 6 mois, le pays a pratiquement lock, parce que lock là, ce n'est pas seulement le monde de caoutchouc, mais là, il y a lock là tout. L'État n'a pas gagné suffisamment de levier pour le bail service, parce que justement, ses bras sont marrés. Il n'a pas gagné les moyens pour le faire, parce que il n'a pas gagné budget et pas gagné un gouvernement légitime. Même penser que tout homme politique responsable, en particulier les sénateurs de la République, ont une responsabilité aujourd'hui pour le bail du président Jovenel, un gouvernement qui a des capacités et aptitude pour attaquer les vrais problèmes. Et là, je vais terminer mon intervention, Jamona. Et ça, c'est moi-même, c'est la plus grande illustration, je dis, à faire par rapport à Haïti. Je prends l'exemple en 1519 de Hernán Cortés, qui c'est un espagnol qui était décidé que de conquérir Cuba. Là, monsieur arrivé aux rives de Cuba, monsieur décidé pour qu'un homme avec lui, ni soldat avec lui, pas d'intention de tourner, la coule les bateaux. Parce qu'elle dit, nous avons une seule option, gagner la bataille pour conquérir Cuba. Ça veut dire, je dis, dans la situation Haïti là, c'est exactement le même cas de figure. Quel que soit on est dans l'opposition, ou bien on a pouvoir, ou bien on a n'importe qui côté dans la société civile, ben c'est l'intérêt commun, je dis, c'est garder qui gens, nous capables de sauvegarder nos acquis, faire en sorte que nous arrivions par les services sociaux de base à cette population qui malheureusement est en train de plonger davantage dans la misère avec une classe moyenne malheureusement qui a plongé dans la paupérisation. Même parce que c'est ça qui doué intérêt commun aujourd'hui. Ce n'est pas une affaire de chapelle politique, chaque nègre après aller à bon côté parle, alors que quelque part, nous sommes en train de plonger. Et pas certains d'entre nous, nous sommes tous en train de plonger si situation était comme ça. Donc même parce que le sénateur Yuri a fait preuve d'élégance républicaine, à la prochaine séance, le gouvernement légitime. Ok, merci. Il y a un débat où vous voulez attirer attention. Vous parlez de débat contradictoire, mais c'est toujours la majorité qui parle de faire débat contradictoire. Là, c'est toujours courir. Je me songe, c'est pas Jolé, m'a fait pour le sénateur Yuri. Je me songe, non, Assemblée nationale, vous venez avec un point pour me désigner trois membres CEP. Je me fais un point de doigt, l'autre mec fait. Sénateur Yuri, pas consulté Assemblée, alors vous venez un point de doigt. C'est enlever ou enlever
et ce que Gary Boudou pas fait. Qu'est-ce qui toujours alimenter débat? C'est nous-mêmes, même moi, toujours bon prétexte pour nous dire, comme si ouverture l'école va arriver, etc. Qu'est-ce qui fait pas le budget, je veux dire? Premier monde, mais d'excès, non, conférence des présidents, c'est Gary Boudou. Puis tout le budget rectificatif là, sans le bachita en assemblée, sans le bachita avec conférence des présidents, c'est même ou même qui tourne le budget, c'est Gary Boudou allié pouvoir, ou bien le cas d'IPHTK, même avec le président, qui fait pas un budget? Qui est-ce qui te pèse? Net tout le monde fait ou en lycéen. En lycéen, c'était vous-même. Qu'est-ce qui voulait aller encore si pas un budget? Ce n'est pas minoritaire qui fait pas un budget. Ce n'est pas minoritaire. C'est vous-même même encore qui fait pas un budget. J'ai un dossier avec le président Gary Boudou, qui est président. Alors, moi, je ne suis pas venu défendre Gary Boudou sur cette table. Ok. Ma fond intervention. Ma fond intervention. C'est mon ami quand même. C'est mon ami. Je salue au passage le courage de mon ami frère Charles Jacquelin Junior qui fait une radiographie des situations économiques. Mais on a dit que et mon ami, mon frère, et situation économique n'a pas vivre là, c'est résultat choix économique et président Jovenel. Et le président Jovenel arrivé dans le pouvoir, certainement il pas de bon programme politique ou programme économique, mais quand même il était un slogan. Il était un slogan et je crois que c'était balle de temps nécessaire. D'ailleurs, il y a un homme qui vient en deuxième position. Et le président Jovenel, je ne sais pas la parole, je ne sais pas. Comme si vous avez dit son. Monsieur était un boulevard de vente, contrairement à après texte que tu as pris, c'est où ils sont bloqués, où ils sont bloqués. Donc il était clair de dire. Premièrement, il prend rive dans tête pouvoir sous le son prétexte question banane, que nous pas jamais de parler encore. Et jardin banane, tout le monde dit au moins si c'était un jardin banane qui était fait dans chaque département là. Nous t'apprenons pas faire. Attends. Non, attendez, mais écoute. On fait un gros coup. On fait un gros coup marketing. C'est un gros programme. On fait un gros coup marketing. D'ailleurs, Moban n'a pas plus parlé qu'emblème. Qu'emblème parti pouvoir. Non, mais c'était. On a. Ok. Mais quittez mal. Vous avez dit, mais il faut quitter m'balé. Il faut quitter m'balé. Oui. Ensuite. Charlotte est là, je dis donc. C'est ça? Vérité. T'es une autre question, c'était ma mettre l'argent. Ma mettre l'argent dans la poche, non? Et puis ma mettre manger dans l'assiette. Le président Jovenel prend goût de là. Alors, faut nous dire, ça passe dans le pays là, son tremblement de tête passe sous le pays là, sur le plan économique. Il prend l'argent, il prend goud là, il prend dollar, 55 goud ou bien 66 goud. Je dis à nous avons un taux fictif de 94 goud, même, je pense que je dis à nous avons besoin de 100 goud de bon dollar par rapport à ça. L'autre gros décision économique qui mettait nous là encore, une situation économique là, il y a question de dédollarisation. Nous savons que le gouvernement a pris une décision pour dédollariser le pays. Hein. Qui pral, comme on est capable de dire, pral bay goud la un gros calo. Ça veut dire qui ça? On nèg, un jeune garçon qui a touché 50 000 goud avant président Jovenel, le président, il était toujours, on est capable de dire, il était toujours dans la classe moyenne. Mais je vous dis, hein, vous imaginez un nèg qui a 50 000 goud. On employé la banque, un cadre qualifié de la banque, ou même n'importe secteur capital dans le pays. Je dis, c'est des pauvres. Et c'est ça qui fait nous, bon hémorragie de cadre, okay? Bon fuite de cerveau, et notamment les cadres, plus faut cadre qualifié nous, je dis, en pile au Canada, en pile aux États-Unis, et qu'on est capable de dire, techniciens moyens, tout fou quoi au Brésil, tout quoi à Chili. Donc, ça veut dire que le tremblement de terre qui passe sous le pays sur le plan économique, par exemple, le secteur tertiaire là, il écrase totalement. Et l'homme du secteur tertiaire, c'est là, qui se montre. Service, tourisme, hôtel, etc. Alors, pour me ajouter un mot, c'est que, pour résumer, Sozia, dans le budget que le président présente, il a accepté que son déficit budgétaire de 28 milliards pour l'année.
et de 22 deuxième année, qui fait que il y a 50 milliards de gouttes qui dépassent sans que pas des résultats par rapport à ça. C'est-à-dire que on a fait déficit budgétaire, mais c'est pour gagner un investissement qui est fait et pour rentrer dans ça. Mais investissement, ça n'est pas utile pays. C'est un gagot. Qui fait que vous avez deux boîtes dans le pays, une boîte pour une boîte de dollars. Dans la boîte de dollars, on va rien ajouter puisque ou pas produit ou pas faire. Dans la boîte de dollars, on va ajouter 50 milliards. Donc, on y a 1000 gouttes qui te vaut 17 dollars. Je vous dis à niveau 10 dollars parce que vous mettez nous deux monnaies. Vous mettez gouttes seulement, vous mettez gouttes. Vous mettez gouttes et gouttes en compensation, pas bon, rien dans le dollar. Donc, mon choix économique, ça, c'est ce qui mène nous là, diminuer le pouvoir d'achat et qui fait que je vous dis, nous essayons de nous gagner un petit budget. Budget, nous, c'est 1 milliard 600 millions de budget peut-être pour l'université. Donc, ça veut dire que c'est décision économique ça qui vient mener nous là, en plus de toute notre corruption. Tout à fait. Donc, nous, ça fait que plus tension. Attends, pour me finir, Ça permet de nous avoir plus tension sociale. Nous, ça a passé dans Port-au-Prince. Politisation des gangs armés. En 3 mois après la démission, et le fin j'étais président, premier ministre, et pas non, l'autre là, Jacques Docteur. C'est 14 milliards de gouttes que vous dépensez en 3 mois. Et de déficit. Pendant monsieur a liquidé les affaires courantes. De juillet à septembre. Donc nous avons dit, Jalo, et grand bénéficiaire, régime Jovenel là, ou bien choix économique, c'est les exploitateurs dominicains. Qui, je dis à marché, a envahi avec produits dominicains. Là, ils ont rasé, ils ont crasé totalement la production et nationale, la production locale. Et président Jovenel divise le pays en deux. Même le secteur, c'est la première fois que le pays a aussi polarisé sur le plan social, sur le plan politique. Même mon richot, mon secteur privé des affaires, là, le polarisé, comme si mon secteur privé des affaires qui bon, mon secteur des affaires qui mauvais. C'est ça lié dans l'opinion. Donc, c'est même secteur moun qui dans les affaires, qui honnête, je dis, il y a une situation économique très difficile. Dieu seul sait combien de monde qui fait faillite. Donc, PME ou tout PME sous Bouddha crasé. Son pays total. Ça passe sous pays, ça plus grave que le pays de Bagoua. Et m'a dit ça, il y a plus de tension sociale. 30, 40, 50 fois plus. Dans le pays à Jodian qu'après 2004. Donc, ça veut dire que la population en situation de coma. Je ne vais pas faire une exagération. 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 Moi-même, je ne vais pas faire une exagération. Moi, je viens avec des analyses claires. Et ça m'a dit là, je ne suis pas économiste, mais je suis toujours tendé économiste en pile. Que ce soit Rofarel, que ce soit Edze Emile, et Dila Boussière. Et puis, écoute, on n'a pas besoin de grand clec. On n'a pas besoin de grand clec, non là, on n'a pas besoin de grand clec pour Rayo. Donc, c'est première fois dans toute l'histoire nationale que nos situations économiques aussi graves à 2 jours de la rentrée des classes, à 2 jours de la rentrée des classes, même Fatra ne va ramasser devant l'école. Yo. Donc, nous avons le ministre dit combien l'école est réparée, combien de bancs, combien l'école a ajouté ban là-dedans. Donc, combien l'école. Écoute, moi-même, je suis éducateur. Algade devant l'école primaire, où est-ce qu'a fait? Ou à Bonine qui gon bagay, y a un singalo la Bandafia. Rien bien, pas même du secondaire. Parce que moi-même, je me rappelle, l'on a une technologie ou après devant, technologie, il y a 20 clairs, par contre, pour chaque monde qui a gagné. Mais on va jouer devant l'école primaire, ou qu'on y est là. Chaque presque, ou à Bonine, ça a fait combien de galons t'as fait à la Bonne. Mais si mon nom vient acheter,